Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fancel. J'aime trop ce site. Souvent, quand je regarde des vidéos Fancel unboxing, les gens disent la même chose. C'est un site où on a un grand choix de produits. Et puis, les prix sont vraiment très corrects. Donc là, c'est mon quatrième partenariat avec eux. Et j'ai deux articles de Diamond Painting à vous présenter. Il s'agit de deux objets spéciaux. Et c'est parti, je vais tout de suite vous présenter tout ça. Alors, hop, je vais mettre ça à terre pour l'instant. Et on va commencer par le premier. Alors, ce genre d'article, on a commencé à le voir circuler il y a déjà quand même pas mal de temps sur les sites internet et sur les chaînes YouTube. On a beaucoup vu les oursons de différentes tailles en mode porte-clés, en très grand. J'ai vu que maintenant, il existait plein de modèles. Alors, pas sur les sites que je vous présente actuellement. Mais il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un site où il y avait des grands mignons à faire, des choses vraiment très grandes, des modèles vraiment, j'ai été surprise, des pandas, etc. Et donc, du coup, là, je ne voulais pas un très grand modèle parce que je ne savais pas si j'allais aimer. Pourquoi? Parce que il faut nous-mêmes placer la colle sur le petit objet pour pouvoir placer nos diamants. Et on n'a pas de repère, on n'a pas d'emplacement. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Cet article en 3D, il vaut 8,25 € et apparemment, il est lumineux. Mais les piles ne sont pas fournies avec. Alors, on regarde ça. Ça sent le chimique. Alors, bizarre ce flamant. Ouh là, il y a eu un petit souci, je crois. Regardez, il est complètement de traviole. Je crois qu'il a reçu un choc. À moins que c'est fait exprès, mais je sais pas. Regardez, on voit là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est... À moins que c'est fait exprès. Je sais pas. Vous regardez, il est vraiment bizarre, non? Là, si je le pose droit, là, il est face à vous. En fait, il y a une aile plus haute que l'autre. J'ai l'impression qu'il a été déformé. Regardez. J'aurais envie de tirer sur l'aile un peu puissant pour que ça se reboîte. Mais en même temps, je me dis, si je le pète, j'ai peur. Non, ouais, je ne vais pas le casser. Je pense que ça a été déformé. Je suis déçue. Alors ici, on peut ouvrir le truc et c'est des piles rondes qu'il faut mettre. Je ne sais pas si c'est des petites, des grosses, mais je sais qu'il en faut 3. On a un petit interrupteur. Ouais. Même, je trouve les détails du nez, la peinture, c'est pas hyper propre, quoi. Bon, ça, franchement, ça va, mais vous voyez les détails sur les côtés, c'est pas... Ça pourrait être mieux fini. Par contre, ouais, je crois qu'il y a une couille dans le fromage, là, au niveau du... Je sais pas. Il est bizarre, hein, il est drôle. Hein. À mon avis, si c'est fait exprès, il devait être bourré ce jour-là, parce que... Tiens, on va faire un flamand qui penche. Non, je pense vraiment qu'il a un défaut. Bon. Ah mince, je suis deg. Bon, on a un toolkit de base. Alors là, ça va pas leur truc. Parce que déjà, une chose, je suis allée vérifier avant de tourner l'unboxing pour être sûre de ne pas vous raconter des conneries. Je m'étouffe. Ils disent que les piles ne sont pas fournies, donc ça, je suis pas surprise. Par contre, ils disent que la colle est fournie. Et c'est même de la colle B7000, je crois. Bon, c'est pas grave parce que j'en ai de la colle comme ça. Mais bon, alors que je me mette sur la bonne page. Alors, je ne l'ai pas écrit pour la colle, mais moi, je suis quasiment sûre d'avoir vu sur le site que c'était de la colle B7000 et qu'elle était fournie. Et par contre, je suis sûre aussi d'avoir vu que les 3 piles étaient non incluses. Donc là, j'ai pas de colle. Non. C'est dommage, hein. Et les diamants, ils sont magnifiques. Magnifiques, sérieux.
Regardez-moi ça, c'est un rose bonbon comme ça, hyper brillant, un peu de noir et un peu de blanc. Donc écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un mail avec la photo du flamand et leur faire voir. Bah là, le truc c'est que ça va être compliqué de diamanter ça sérieux dans les coins, etc. Bah de base, il est comme ça, mais là vraiment, il est l'aile, elle est fort renfoncée, vous voyez, c'est un défaut ça. Non, je ne peux pas le replacer correctement. Non. Et même là, on le voit, c'est pas... Je sais pas, il y a eu un truc de mal fait. Ouais, bon. Alors, en fait, le principe, c'est tout simplement de venir placer de la colle. Et ensuite, au stylet, mais au stylet, ça ne doit pas être très pratique. À la pince, venir placer nos diamants. Donc, on n'a pas de cercle, on n'a pas de rond, on n'a pas de symbole. C'est à nous, bon bien sûr il n'y a que trois couleurs hein. Donc partout où c'est rose on met des diamants roses, là où c'est blanc on met des blancs et là où c'est noir on met des noirs, mais ouais on met de la colle sur une petite zone parce que forcément après ça sèche. Sur le site ils disent qu'à partir du moment où on met la colle il faut pas dépasser 2 minutes pour venir placer les diamants. Donc ouais mettre à mettons 1 cm² on va dire de colle. Et puis venir placer nos 15 ou 20 diamants. Ensuite, on remet de la colle, on replace les diamants. Donc, c'est super sympa en plus. Et franchement, le résultat de ce genre d'article, c'est hyper beau. Parce que c'est en 3D du coup. C'est pas... Bah, par exemple, si ça aurait été une boîte ou un sac, c'est plat. Donc, la colle, elle est déjà mise. Et on n'a pas besoin de mettre de la colle. Mais là, comme c'est en 3D et qu'on a des côtés arrondis, etc., c'est à nous de venir placer la colle, mais franchement, les résultats, c'est vraiment canon. Et c'est dommage qu'ils soient... Donc, je vais leur envoyer un mail, je vais leur signaler. J'espère que c'est que le mien, du coup, et qu'ils n'ont pas fait une série de flamants défectueux. Mais du coup, voilà. Je vais leur envoyer un mail et puis je vais voir ce qu'ils me répondent. Et si jamais... qu'il n'y a rien, quoi, qu'ils me disent de le faire comme ça, je le ferai quand même, mais il est... Je sais pas, je le trouve drôle. Je le trouve bizarre. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas un défaut. Je pense vraiment que c'est un défaut. Si vraiment c'est pas un défaut, c'est con de faire un flamand qui penche comme ça sur le côté avec une aile plus haut que l'autre et un côté renfoncé. Non, c'est sûr que c'est un défaut. Hein. Donc voilà. Donc sinon, ce flamand, il fait 13 cm de longueur sur 13 cm de hauteur et 6 cm de largeur. Il vaut 8,25 €, voilà. Donc, je rangerai tout ça de mon côté. Je vous tiendrai au courant, soit si j'ai un prochain partenariat Fancel, je vous donnerai des news de ce petit flamand, ou soit dans un DP blabla ou quoi, mais je vous donnerai des courants, enfin... Je vous donnerai des nouvelles de ce flamant rose et surtout du retour que j'ai eu par Fancel, voilà. Alors, deuxième article que j'ai à vous présenter, c'est une petite boîte à diamanter. Il me semble qu'elle est en bois et vu la taille du carton, à mon avis, c'est moi qui vais devoir monter cette petite boîte. Donc, j'ai quand même hâte de voir. Donc là, c'est pas cet objet-là hein, qu'on doit diamanter, mais on a des petits schémas pour ceux qui ne savent pas faire le DP. Explicative, voilà. Alors, cette boîte, ouais, c'est bien en bois. Cette boîte, elle vaut 10,61 €. Ouais, génial. Ah ouais, trop bien. Ça sent le bois. Oh, ça sent trop un jeu de dames en bois que j'avais avant. Si j'ai un bois comme ça, ça sent trop ça. Vous savez, un jeu de dames où j'avais, on pouvait faire le dada, on pouvait faire plein de jeux en même temps. Alors, vous voyez, c'est en bois comme ça. Ici, c'est à diamanter, ça colle très bien. On a l'air d'avoir plein de diamants spéciaux. Alors, ça a l'air de ne pas être très compliqué à monter. Donc ça, il n'y a rien des deux côtés. Donc à mon avis, c'est le fond. Ensuite, on a nos quatre côtés. Donc ça, c'est là, voilà. On rentre en même temps ici, si j'y arrive. Alors,
Alors, attendez. Alors, du coup, j'espère que à partir du moment où je l'emboîte, je peux le déboîter parce que ce sera beaucoup plus pratique à diamanter. Ouais, donc ça s'enfonce. Ce qui est bien, c'est que ça s'enfonce pas très très facilement. Donc, une fois qu'on l'a enfoncé, c'est bien coincé. Là, je ne l'ai pas enfoncé à fond parce que bah, j'ai peur de pas savoir le débloquer. Non, j'ai peur de pas savoir le débloquer et après, ça va être chiant à diamanter. Mais voilà, le principe, c'est de mettre comme ça les quatre côtés. Ben voilà, vous m'avez compris. Et après. Ok, d'accord. Voilà, et ça, c'est le chapeau, c'est le couvercle. Et en fait, le couvercle. Je regarde comment ça passe. Ouais, voilà. Ici, vous voyez, ça passe très facilement. Là, c'est vraiment un couvercle qu'on enlève comme ça. Hop, on l'enlève et on le remet. Et il y a deux encoches pour quand même le caler. Mais ça passe très facilement parce que le but, c'est de ne pas galérer à chaque fois qu'on enlève le couvercle et qu'on le remet. Voilà. Donc, je vais vous faire voir les différentes faces qui sont à diamanter. Ça, c'est super sympa d'avoir une boîte comme ça parce qu'elle est en bois, quoi. C'est génial. Alors, cette boîte, elle vaut 10,61 € et je vais tout de suite vous dire les dimensions. Voilà. Et donc, du coup, ça, comme c'est le fond, il n'y a pas à diamanter. Alors, au niveau des dimensions, elle fait 20 cm de longueur sur 15 cm de largeur. Bah, je vais vérifier avec vous. Donc, on est sur du 20 pile poil sur 15 et en hauteur, elle fait apparemment 4,5 cm. Voilà, donc là, on a 4 cm. Mais si on rajoute le fond, bah, on est à nos le fond et le plafond. Le fond et le plafond. Le fond et le couvercle, on est à nos 4,5 cm. Et ben voilà pour cette petite boîte. Donc on a un petit toolkit de base avec des sachets zip en plus. Et on a nos diamants juste ici. Alors ça sera sûrement une boîte qui me servira comme d'habitude pour mes activités manuelles. Mais ça peut être hyper sympa d'y ranger. Ça peut être tout simplement une boîte pour le DP parce qu'un stylo ça passe donc on peut ranger nos stylets, nos barquettes et notre colle. Ça peut être pour le coloriage et mettre une gamme de feutres ou de crayons de couleur. Ouais, c'est génial, ça peut être, on peut mettre des bobinettes pour le point de croix. C'est trop bien. Oh, wow! Alors on a des petites étoiles comme ça que j'adore, argentées. Ah là là, c'est chiant qu'on voit pas bien comme ça. Vous voyez, donc dedans c'est creusé en forme d'étoile. Hein. On a des petites gouttes turquoise, des œils de chat comme ça, rose fuchsia. Et ensuite on a des diamants en cristaux, donc on a de l'argenté, un bleu, on va dire menthe glacée, du jaune, de l'orange, du rouge. Et ensuite ce sont encore des diamants spéciaux avec des œils de chat violets, des argentés. Et ça je crois que j'ai jamais reçu. Des sphères nacrées, mais de couleur jaune. Hyper beau d'ailleurs. Donc vraiment, le résultat, je pense qu'il va être super sympa et bien coloré, comme j'aime. Et ça, j'adore. Eh bien, écoutez, voilà, je vous ai tout présenté pour cet unboxing. Donc, c'est dommage hein, pour le petit flamant rose. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Je vais envoyer un mail avec une photo. En même temps, du coup, je vais demander pour la colle. Mais je crois que j'ai pas eu de chance, j'ai eu le mauvais article. En même temps, je préfère que ça arrive à moi, que ça arrive à quelqu'un qui passe commande pour de vrai et puis qui paye, puisque moi, je l'ai reçu gratuitement. Mais quand même, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment réagit Fancel bah, par rapport à ça. Est-ce qu'il je vais leur demander comment ils réagiraient si ce serait un client. Est-ce qu'ils remboursent? Est-ce qu'ils renvoient un article? Enfin, voilà. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous tiens au courant. Je vous mets les articles dans la description du coup. Et puis moi, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!